Bien, salutations tout le monde, scène 27, et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode Sousarous Park Snow Day. J'ai bien regardé que c'était le jeu, il était en français, donc c'est bon, on va pouvoir lancer du coup la cinématique. Je me suis déjà fait avoir auparavant, donc on va la lancer cette fois-ci en français. On l'appelle déjà la tempête de neige du siècle. Tout South Park est pris dans un blizzard et les prévisions annoncent de nouvelles chutes de neige. Des accidents impliquant plusieurs voitures et des coupures de courant sont signalés dans toute la ville. Oh chérie, Dieu merci, tu vas bien. Maman, t'as vu comment il neige fort dehors? Oh oui chérie, c'est de pire en pire. Ah, ça va être un jour de neige? Ils vont annuler l'école, pas vrai? Ils ne l'ont pas encore dit. Cette énorme tempête ne fait qu'empirer. Je suis ici à l'étang de Stark qui est complètement gelé. Où un camion citerne vient de s'écraser dans la glace. On déplore plusieurs victimes. Cool, plusieurs victimes. Ils vont forcément annuler l'école, c'est sûr. Eric, c'est très grave. La situation ne fait que devenir encore plus horrible, Tom. La tempête ne semble pas s'apaiser. Et avec la neige qui s'accumule et les routes qui se couvrent de glace, nous nous préparons à une nuit catastrophique. Oh, trop bien, ils vont annuler l'école. Ils vont annuler l'école. Ils vont annuler l'école. Eric, retourne te coucher. Je suis pas obligé d'aller me coucher s'il n'y a pas d'école. On n'en sait rien, Eric. On le saura demain matin. Oh non, 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 non. Qui est, s'il vous plaît? S'il vous plaît, faites qu'il continue à neiger. Plus fort que jamais, s'il vous plaît, Dieu. Juste cette fois. Dieu, fais pas ta pute. Stabilise au moins 20 morts, Tom. On signale des conduites d'eau gelée et même des corps gelés, tandis que la tempête fait rage. Ils ont annulé l'école? Ils ont annulé l'école? Eric, c'est horrible! Les autorités préviennent que même les premiers secours resteront chez eux aujourd'hui. Les routes sont complètement bloquées. Il n'y a plus de papier toilette nulle part. Et l'école alors? Cela ressemble vraiment à la fin des temps. Je vous en prie, soyez prudents surtout. Putain, tu déconnes! Oh, et nous apprenons que toutes les écoles du comté de Park sont fermées pour la journée! Ouais! Ouais! Y'a pas d'école! C'est un jour de neige! Y'a pas d'école! Y'a pas d'école! Y'a pas d'école! En plus, maman, je reviens dans quelques heures, prépare mon brunch! Où vas-tu comme ça? Je vais dehors jouer avec mes amis. Je ne pense pas que ce soit très sûr, trésor. Maman, c'est un jour de neige. Le jour le plus magique dans la vie d'un jeune enfant. La cinématique c'est bien mieux en français, par contre ça fait délirer quoi, le truc des PQ. Ça nous rappelle une sombre époque hein, les PQ, putain, les gens c'était des sacrés tarés quand même. Bref, oh, du coup j'avais mis cette coupe de jeu à mon perso et j'avais fait un délire avec les cheveux blancs. Hop.
pas de cap. Aucune cicatrice pour l'instant. J'aurais bien mis une barbe, mais bon. Rien de folichon. Mettre une petite paire de lunettes. Et après les emotes, en vrai, je m'en fous un peu. Surtout, sois très prudent, chérie. Passe un bon moment avec tes amis. Bonjour, monseigneur. C'est moi, le grand sorcier. On a beaucoup de batailles à livrer. Au fait, depuis ta dernière partie, on a dû réécrire les règles et repartir à zéro. Parce que quelqu'un est devenu trop balèze. Tu dois aller à l'école et parler au gardien des règles. Je le pouvais, mais... Hé, nouveau, viens me retrouver sur le toit, il faut qu'on termine ton entraînement. Ok. Ah, bordel! C'est vraiment tombé fort hier soir! Oh, Randy! Ah non, c'était pas Randy, on aurait dû Randy, lui. De dos. Le Randy Black. Bon là, il n'y a pas le truc comme dans les anciens South Park. Enfin, dans, en tout cas, le dernier, je me rappelle plus du nom. Et là, j'ai pas la boîte devant les yeux. Bref. Là, avec le Kun et sa bande, là, sur les super-héros. Où, si on prenait la difficulté au max, il fallait créer un perso black. C'est bien drôle. Vous pouvez vous cacher dans la neige profonde pour protéger. Ok. Ok, ok. Sorcier dit que le papier toilette est plus précieux que l'or en ce moment. Récupère-en le nouveau. Le nouveau, tu peux utiliser ce papier toilette comme de l'argent. Utilise-le pour acheter une arme. Le PQ. J'ai des armes de qualité à vendre. Maintenant, bon, t'es armé maintenant le nouveau. Maintenant, bute ces bonhommes de neige pour montrer que t'es prêt à combattre. Allez. Je fous le nouveau. Oh, j'ai récupéré du PQ. Le bonhomme de neige. Ouh, tu l'as pas raté. Très bien. Maintenant, continue à avancer pour obtenir ta première carte de pouvoir. Par ici, le nouveau. J'ai quelque chose pour toi. Tu me donnes une carte? Les armes, c'est sympa le nouveau, mais dans ce jeu, tu dois aussi apprendre à utiliser des cartes. Chaque carte t'offre une nouvelle compétence, et voici la première. Ah, par contre, ils l'ont pas fait bégayer. L'été vous fait échapper en permis de péter, fous l'effet le nouveau. C'est super, essaie de péter pour grimper sur cette crête là. Super, monseigneur. Entrez donc dans l'école. Toujours avec l'épée, quoi. Viens me retrouver sur le toit. Je sais que toute cette neige surexcite vraiment les enfants, vous voyez. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'étudier, d'accord, vous voyez. Oui, je vois, voyez. Tu vois ces enfants elfes là-haut? Va leur péter la gueule. N'oublie pas, les humains détestent les elfes. Allez, le nouveau, cogne-les. Eh oh, attendez, les gars. Le nouveau sait pas encore comment esquiver. T'as compris? Oh, ça, c'était vraiment une chouette esquive. Ouais, dégomme ses ailes. Oh. Oulala, je viens là, toi. Trop violent. Aïe, non. Ouais, bute-le, le nouveau. Trop cool. Celui-là, tu l'as carrément touché en pleine gueule. C'était mortel. Attention, des ailes. Prends ton arc et massacre-les, le nouveau. D'autres ailes. Utilise ton arc pour les attaquer de loin. On fait après. Ok, juste tu lâches. Joli coup. Bien joué. Mais si, on se tire de là. T'as battu les elfes à leur propre jeu. Bon travail. Maintenant, je peux terminer ton entraînement. Ouais, là-bas. Paf. Par ici, le nouveau. On va voir s'il y a un petit. Contre la sensi, elle est.
Oh, sort Cartman là. Allez, fais pas le timide, viens là. Ici, je fais le timwed. Laisse-moi éclater Cartman là-bas. Tiens dans ta gueule, le gros là. Arrête de manger des cheesy pouf. Tiens. Ah, ça va, Butter, j'arrive. Je vais te crever un œil, ça va te détendre. Ok, très bien, les gars. Vous avez collecté des ressources, acquis des compétences en maniement d'armes et appris à gérer vos cartes. L'heure est venue de passer notre dernière épreuve. Vous vouliez me voir? C'est qui ce gamin? Izu? Pas encore. Il doit passer une dernière épreuve. Ok, le nouveau. Botte-lui le cul. Quoi? Ah, allez, allez, le nouveau. Botte-le cul à ce putain d'else. Cet elfe est dans l'équipe ennemie. Tue-le! Oh, viens là, l'elfe. Putain d'elfe. Il m'amène chez les elfes en plus. Et un guet-apens. T'es défoncé. Alors ça, ça a dû faire mal. Viens par là, je vais t'apprendre comment te soigner. Choisis cette carte totem de soin pour l'ajouter à tes pouvoirs. Maintenant, tu peux utiliser ce pouvoir bien joué. Tes pouvoirs sont pas illimités. Tu dois devenir enragé en infligeant ou en subissant des dégâts. Pour devenir enragé, continue à cogner sur tes ennemis. Voilà les renforts elfes. Va t'occuper d'eux, le nouveau. Ils sont où, ces putains d'elfes? Ouais. Je suis plein de sang. Oh. Je te soignerai si t'as des ennuis, le nouveau. Oh. Aïe. Oh. Tu peux avoir une nouvelle vie? Ça fait mal, ça. Alors hop, je te fais un P, P du guerrier. Tu dis maternel. Oh. Ah ça, j'ai Butters qui me soigne. Butters le magicien. Bon travail, le nouveau. J'ai une amélioration pour toi, le nouveau. Après une bataille, tu me trouveras dans les parages pour te donner des améliorations pour tes pouvoirs ou tes armes. Ces cartes améliorent tes armes et tes pouvoirs. Choisis-en une. Alors. C'est toi qui parle derrière. Ouais. Bah, j'ai le truc, c'est que j'ai peur en fait. C'est que. ça va être drôle. C'est que j'ai acheté le jeu en boîte, du coup. Moi, j'ai fait 35 magasins et j'ai dû faire un périple. Laisse tomber. Et. Du coup. Je vois sur la boîte, coop 4 joueurs, mais multi. Alors que sur le live, quand le jeu il était encore en précommande, il y avait marqué 4 joueurs, coop et multi. Et maintenant sur le live, il y a marqué plus que 4. Enfin, coop 4 joueurs, multi et plus coop local. Donc autant vous dire que du coup, j'ai acheté un jeu à la base pour faire des soirées avec des potes. Et du coup, bah, je vais être bien baisé. Et où l'elfe que je dois éliminer? Attendez, déjà je vais vous péter dessus. Ah, succès. Faites vomir 4 ennemis en même temps. Oh, renvoie le PQ là. Donne-moi du PQ un peu. Au hasard, mais entre nous, je peux les redistribuer en échange d'un peu de PQ. Essaye. Non, je te donne. Putain, je suis obligé de lui donner du PQ à cet enfoiré du jammer. Écoute bien, le nouveau, toutes les améliorations se valent pas. C'est pour ça qu'on a établi un système de rareté qui t'indique leur puissance. Plus la carte est rare, plus elle est puissante. Les cartes rares t'aideront vraiment à botter le cul de tes ennemis. C'est le gardien des règles qui dicte la rareté des cartes. Mais en échange d'un peu de PQ, moi je peux les rendre plus puissantes. Permet d'augmenter le niveau des cartes, ok. Un peu commun, ouais. Promouvoir et améliorer 50 PQ. Les armes au corps à corps infligent 50% de dégâts, bonus quand votre santé est au max. Vas-y, je sais pas ce que c'est, mais on va la prendre. Et voilà, fais ton choix, le nouveau. Oh, le nouveau, garde cette histoire de PQ pour toi, compris? Excellente sélection. Tous tes pouvoirs sont prêts, faites-leur la gueule. Hey. Oh.
ça fait beaucoup d'ailes. Allez, les maternelles. Putain, il est où le bâtard? Putain, on va attendre toi. L'archer. C'est pas juste que le nouveau n'est pas allié. Hé, le nouveau, ces autres nouveaux vont être des humains aussi, ok? Si votre session de 4 joueurs n'est pas complète, ses alliés vous rejoignent et vous descendront. Vous pouvez retourner vous mettre les baffes maintenant. Ouais. Ça saoule. Alors le problème c'est que c'est... Merde à la con. Vampire. On va vous sucer le sang. L'ennemi a joué la carte. Les chefs ennemis peuvent jouer des cartes à la con pendant le combat pour emporter un avantage injuste. Le pouvoir à la con sont limités en quelques... Elle revient de transformer l'un de ses... Ils ont joué une carte à la con, ça veut dire qu'ils peuvent un peu tricher pendant un petit moment. À toi de jouer le nouveau. Tu leur as donné une sacrée leçon. Maintenant retournons jouer pour de vrai. Ok le petit nouveau, l'entraînement est terminé. Tu les as bien éclatés. Maintenant, tu peux aller jouer avec tes amis. Merci, Bottles. Tu peux voir, on a dû modifier le jeu parce qu'un connard qu'on ne nommera pas a décidé de devenir tout puissant et de foutre en l'air le bâton de la vérité. Et ensuite, tout le monde voulait être tout puissant et plus personne mourait. Ensuite, on a joué au super-héros et devine quoi? Cette même personne est encore devenue hyper balèze et a foutu la merde dans ceux-là aussi. À l'annale du destin. Putain de personne, on a dû ajouter un tas de putain de règles. Et une fois qu'on a écrit les règles, on s'est disputé à propos des règles. Et on est tous repartis en guerre. Tu vois? Avec ce nouveau système de cartes, ta puissance dépend des cartes que t'as en main. Et t'en reçois que deux pour commencer. Comme ça, tu peux pas être craqué. Ce jeu est impossible à foutre en l'air. Mais je parie que t'y arriveras. Bien sûr, même si techniquement t'es le roi, tu dois respecter les nouvelles règles. Parce qu'on est en Amérique. Tu es maintenant le roi de deux cartes. Félicitations. Écoute, Clyde a entendu dire que les elfes se préparent à lancer une attaque géante sur notre royaume. Leurs forces ont été vues près de l'étang de Stark. Faut les éliminer. Avant qu'il nous bute. Hé, le nouveau, cette mission sera dangereuse. Du coup, je te mets dans une équipe avec d'autres nouveaux qui viennent d'arriver aussi. Mais n'oublie jamais que c'est toi le vrai nouveau. Les autres nouveaux vont travailler pour toi parce que toi, t'es celui qui compte, compris? T'es le boss. Je vais tous vous donner des numéros. Au hasard, c'est pas important. Mais il est possible que je te donne pas le numéro 1. Mais sache que t'es toujours le meilleur nouveau pour moi. Le plus important. Même si t'es le numéro 4. Bonne chance. Ok, le nouveau. Maintenant que tu sais comment jouer, t'as plus aucune excuse si t'enfreins les règles. Ouais, alors, du coup. Allez, gamin, jamais tu pourras prendre une flèche à ma place si tu sais même pas où est la bataille. Viens me retrouver à côté. On va aller voir. On va aller voir Monsieur Anki. Ah, hé, c'est toi le nouveau, pas vrai? C'est moi, Monsieur Anki. Je suis parti un moment, mais je suis revenu. Et devine quoi? Je vous ai apporté un peu de magie de Noël. T'en veux un peu de cette magie de Noël? Je peux t'en donner un avant-goût si tu veux. Oui, tu en veux. Eh ben, vas-y, prends-la. Prends un peu de magie de Noël. Ne sens-tu pas ton potentiel qui grandit en toi? La matière sombre est dissimulée partout. Ouvre l'œil. Et si tu l'apportes ici, tu pourras l'utiliser pour accroître ta puissance bien au-delà de ses limites. Essaie, tu verras. Maintenant, ce bonus sera en toi, comme moi. Tu peux échanger tes pouvoirs. La matière sombre te reviendra sous sa forme brute. Continue à absorber cette matière sombre et tu deviendras plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Matière sombre... J'étais un voleur, mais j'ai découvert la lumière du commerce légitime. Les statistiques sont importantes, mais l'apparence l'est tout autant. On vient avec au moins 50 épées. Ah, salut!
classeur dans lequel tu peux suivre toutes les cartes à la con et les améliorations qui sont utilisées dans le jeu. Tiens, jette un coup d'œil. Les ennemis ont plein de cartes à la con différentes. Au pire... Plutôt cool, hein. Celle-là, c'est mes préférées. Ça te fait défiler les raretés. Reviens quand tu veux. Ok. Yeah. Hé, j'ai entendu dire que tu voulais essayer du nouveau matériel. Bah moi j'ai toutes les armes que tu cherches. Entre dans l'armurerie, je suis sûr que j'ai au moins une nouvelle chose à te montrer avant que tu n'ailles te battre. J'ai une âme à distance à te faire essayer. Tiens, essaye un bâton de magicien pour voir. Sélectionne le bâton pour l'équiper. Tu trouveras plein de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs pendant tes aventures. Génial, n'hésite pas à revenir quand tu veux. Ah, ça, ça me parle ça, tout de suite. Allez. Oh bah normal. Hein. Et vous dans le portail. J'ai des armes ici. On va finir la première mission, on a fini le tuto quoi. Les elfes druides, dirigés par ce fourbe de Audruif Kyle, préparent une attaque contre les humains. Le grand sorcier a ordonné une attaque préventive contre leurs forces de sales druides. Sales druides et juifs quoi, des druifs. Excellent. Cartman, c'est qui ces connards? C'est mon armée secrète. On vous attaque avant que vous attaquiez. De quoi tu parles? Mes espions ont vu ton armée se préparer pour la bataille. Tes espions? Mais de quoi tu parles, bordel? Ouais, tes espions, Kyle! Tes espions qui les préparent à la bataille! T'es sérieux? Rappelez-vous, aucun combat n'est autorisé pendant le jugement à la con. C'est une terre sacrée. Ouais, ouais, bouge ton cul, Batters. Ok, chaque joueur pose une carte à la con pour qu'on se mette tous d'accord sur les règles avant la bataille. En tant que gardien des règles, j'ai l'honneur de présider ce jugement à la con. Je sais pas ce qui t'a pris de te retourner contre nous, Cartman, mais on va t'en mettre plein la gueule. Ouais, 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 ouais. Pioche tes cartes à la con et prépare-toi à te faire botter le cul. Vas-y, on va mettre ça. Oh, yeux laser. Attirez vos ennemis en lançant des rayons laser avec vos yeux. Énorme percuté. Devenez invincible, respect. Okay, vas-y, j'ai envie de mettre ça. Mettre ça. Ouais, laser. Et une amélioration pour nos doubles poignards. Évidemment que tu jouerais ça. Viens, on t'attend. Géant de terre. Flèche explosive. Déflagration de flèche. Ouais, ok. Bien, c'est réglé. J'ai préparé un classeur dans lequel tu peux suivre toutes les cartes à la con et les améliorations qui sont utilisées dans le jeu. Je le savais. Kyle est complètement en train de préparer quelque chose. Va lui botter le cul, nouveau. Qu'allons-nous faire? Ils n'ont pas de vivre. Je vais apprendre à ce sale petit druif de pas chercher d'emmerde au grand sorcier. Les nymphes. Viens là, Carl. Udruif. Allez, donne-moi du PQ là. Besoin de PQ. Les elfes arrivent, le nouveau. Faites-leur la gueule. Oh. Ah, j'allais dire, ils sont où mes joueurs? On sont censés être avec moi. Vous êtes pas de taille à affronter les elfes.
Ouais, que tu crois. Avec mon P sacré. Faire un peu. Bien joué, le nouveau. On dirait que j'ai fait le bon choix en te recrutant. Comment je les ai éclatés? Ces petits champs de flammes étaient le feu à 4 ennemis. Oui. Complètement cheaté le truc. Bonjour. Savoure ce rare moment de paix. Les lumières d'un pays lointain ne sont que le calme avant la tempête. Un peu les vaches là, si on peut les éclater. Oh. Le bâton de sorcier lance maintenant 3 jambes en faisant chacun son penchant de dégâts en moins. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Les ennemis laissent tomber 30% de tchaz et pouf supplémentaire. J'aime le tchaz et pouf, c'est quand il n'y en a plus. Allez. Petit tchaz et pouf. Ce portail n'est pas sorti. Mais tu devras éliminer ces elfes avant de pouvoir l'ouvrir. T'inquiète, avec mon bâton, on va se les faire. Les enfants sont toujours les plus vicieux. Pluie infernale. Les humains. Cette carte dit que chacun de nos tirs est une boule de feu. Une carte à la con a été jouée. Du coup, tous les projectiles sont démultipliés. Planque-toi. Mais non, t'inquiète. Bien essayé. Tu vas pas rester longtemps en vie si tu continues à foncer dans des flèches, connard. Oh, galère. Oui, tank, hein. Attaquez le nouveau sur le flanc. Oh. Oh, regarde, c'est comme un petit bébé cochon. Ok. Oh, galère. No. Allez, les elfes. Les juifs elfes. Les druifs. Moi du PQ. Attends, par contre. Après, il y a un Cartman là-bas. Là. Ah, Cartman. Ta gueule. Gros là. Bon, on voit les cheesy poufs là, même si je suis full vie. Comment ça fait, là, par contre, c'est chiant que ça ramasse pas le PQ. Là. Automatiquement quoi. Je vois que t'as bien développé tes talents d'ouvreur de portail. Oh putain, les gothiques. Nous nous rencontrions ici. Eh, Jimmy m'a demandé de l'aide pour genre votre jeu ou quelque chose comme ça. Ces cartes servent à accomplir des rituels sombres. Elles te permettent d'invoquer un pouvoir extraordinaire. Mais certaines ont un prix. À toi de voir ce que t'es prêt à sacrifier pour la richesse et le pouvoir. Voilà, et c'est tout. Pioche-en une maintenant. Ok, allure. Entre 60. Ok, non. Ouais, une tourbillon et une récompense. Hein. Sort 20 matières. Accorde 20 matières sombres. Et là, ça semble pas sûr quand même, donc ouais. Les pouvoirs innés de Trompurie sont en vrai, c'est ça. Guide pour celle-là. Parfois, tu me trouveras ici à la place de Jimmy. Et je te tirerai les cartes pour toi, genre, si le destin le veut. Alors, marche. Si tu me vois.
un peu des trucs là. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? De nouveau. Ouais, de nouveau. Ah, je peux encore en prendre une. Ouais, l'essence. Pars maintenant. Genre, j'ai pas amélioré la carte gratos, quoi. Je savais qu'il devait se fier au cœur des cartes. Regarde sur la glace, bordel! Mais je me doute qu'il y a un truc sur la glace. Laisse-moi vérifier là. La gueule! De fouiller là un peu. Par contre, je peux pas ramasser les chaises, pouf! On va descendre voir un peu. Tu fais. La nourriture n'est pas. Oh, joueur 1, un boulet de canon. Tu peux le tirer avec un canon pour briser les gros blocs de glace. Et je le mets où? Hey, attention au grill. Je le balance où, moi, le boulet de canon? Oh, il y a une coffre là-haut. Joueur 1, c'est le canon. Maintenant, charge ce boulet de canon pour briser cette glace. Il est là, le boulet de canon. Je l'ai vu. On va faire un peu là. Effort, descendre. Oui. Je m'attendais à un truc un peu plus quand même. Attends. Voilà, gloutonne-toi en PQ, en cooking. Je peux pas prendre les bottes de ski là. Éviter de glisser comme un caca là. Ouais, 25 conteneurs à butin. Charge du taureau. Vos pouvoirs reçus. Oh, donne-moi le PQ. Tac. Hop. Ah voilà, niveau 2. Je sais pas tirer où. Ouais, faut. Oh, Dieu merci, faut que tu m'aides. Je suis parti chercher des provisions. Et je me suis retrouvé pris dans la glace. Mais j'ai remporté le jackpot. Regarde tout ce papier toilette. Tu dois trouver un moyen de briser la glace pour me sortir d'ici. Mène-toi, mes couilles sont en train de geler. Un trésor des elfes. Ça ressemble à un piège. Kyle a dû tout manigancher. Oh ouais, Kyle. Ouais, je peux vous aider à trouver Kyle. Sortez-moi juste d'ici et je vous donnerai même un trésor. Je suis pas sûr de lui faire confiance. Moi, je suis prêt à te faire courir ce risque. Il marche comme une citerne. Enfin, le chariot de guerre des gnomes et il traverse la glace avec. Faudra aussi trouver des clés, de l'essence et apprendre à conduire, mais bon... Et qui a de facile? C'est le chariot des gnomes. Ouais, à chercher les clés. Ces conteneurs de transport sont remplis de cheese et pouf, mais leur
que soit cette guerre. Oh. Un champ du... Oh l'enculé de toi. Elfes druides. Oh, les elfes savent utiliser la magie, bordel de merde. Bute-les, le nouveau. Ouais, je suis mort. Oh, tu m'as coupé. Oh. Non, tu m'as eu. Oh. Ah, meurs toi aussi. Oh non. Oh, il a un bouclier, le salaud. Viens là, toi. Viens. Enseignement, le feu. Oh, ils sont là-bas encore, là. Il y en a un paquet. Les elfes. Bordel. Désolé, je croyais que t'étais une poubelle. Excuse-moi. Les clés du camion citerne. Super. Il nous reste plus qu'à trouver de l'essence. Bon, va chercher de l'essence. Bon boulot, t'as bien fait. Allez, Jimmy. Vous courez 50% de dégâts avec votre ennemis. Oui, vas-y. Excellente amélioration. Oh, le succès. Légendaire. Gagner une amélioration légendaire. Ok. Bah oui. Et le nouveau, t'as récupéré des cartes brillantes. Elles renforcent tes cartes d'amélioration. Il y a une carte brillante dans ce coffre, juste là. Vas-y, récupère-la. Vas-y, j'arrive. Plutôt sympa, non? Ils sont planqués un peu partout sur les champs de bataille. Alors ouvre bien l'œil. Bâton. Ah, fait plus de dégâts du coup. On ne manque pas les boules, mais... Ça fait plus de dégâts. Les choix qui s'offrent à toi. Écrit un nuage de gaz qui persiste pendant 8 secondes. Ouais, c'est pas mal. Ça m'a l'air plutôt vas-y. Hein.
C'est sympa de pouvoir discuter sans l'agitation de la bataille, pas vrai, le nouveau? Exactement. On est posé. Voilà. Besoin de Mazou. Toujours là, bon, je pense pas que je vais lui reparler, quoi. Ouais, on prend un peu d'essence là. Et... Tu peux parier qu'il y a d'autres elfes dans les parages. Oh, c'est Blindax. J'arrive pas à les toucher. Si c'est comme ça. Ils peuvent lancer une attaque avec le regard, les elfes. Attaquez-les. C'est le gamin sur le toit qui a l'essence. Concentre-toi. Allez les gars, aidez-moi là. Parce que là, on dirait que vous êtes handicapés, les gars. Avec moi. Oh, je vais. Je vais y passer là. Ah, je peux passer, j'ai failli y passer. Clairement, clairement, j'ai failli y passer. Donne-moi mon essence. T'as vu le prix de l'essence en ce moment? T'as vu le prix du 98? Donne-moi ça. Culé. Eh, donne-moi ça. J'en ai marre de faire des pleins à 130 euros. Pluie infernale. Un aimant, maintenant, il explosera. Fais gaffe à pas en mettre sur toi. Une carte à la con a été jouée. Du coup, tous les projectiles sont démultipliés. Planque-toi. Oh. Le camouflage. Tiens. Petit PD. Alors la puissance de mon bâton, de la merde. Pas touché. Cette grotte sent la corruption des elfes. Mais si le sol prépare-toi, les elfes pourraient être planqués dans n'importe quel recoin. Ça pue le druif. Le druif, pardon. Ouais. Attendez. Oh, joueur 1, il faut que tu sautes dans la neige, vite. Au, ne m'oubliez pas. Wow, wow. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Joueur 1, ça va? J'étais inquiet. Oh, lui, il est moitié en train de bugger, vas-y, hein, voilà. On va l'allumer. Hein. Reviens là. Qui aurait imaginé qu'il y avait une grotte à South Park? Tu vois quelque chose qui te plaît? Ah, ça peut être bien ça. Je l'avais repéré pour moi celle-là. Je suis pour toi. Merci Jimmy.
Ouais. On dirait bien que le chariot de guerre des gnomes est à l'eau. Faites-le plein et faites-le démarrer, les petits nouveaux. Oh, Randy. T'as réussi, grâce à mes conseils et à ma grande sagesse. Oh, Dieu soit loué. T'as réussi, tu m'as sauvé. Je suis resté coincé ici toute la journée. Je me serais bien échappé, mais il y a une serrure elfe de niveau 3 sur cette porte là-bas. Je suis tellement content. J'ai trouvé ce coffre rempli de papier toilette. Tout le monde en ville a dévalisé les magasins. Surtout ce putain d'enfoiré de Stodge. Ce truc vaut plus que de l'argent en ce moment. Alors je suis riche. Les nouveaux, trouvons qu'il se planque. Ouais, Kyle, ouais. Je peux vous montrer où il est, mais je suis resté coincé ici tellement longtemps, putain. Faut vraiment que j'aille chier. Pour l'instant, regarde en toi et tu trouveras les réponses dont tu as besoin. Crois en toi et ce que tu cherches te sera révélé. Moi, je vais aller chier avant de frotter ce papier toilette sur la figure de Stanford Stock. C'est fini pour toi. Tu vas mourir ici. Les elfes t'ont tendu une embuscade. Fais-leur regretter, le nouveau. Submergez-les. Ils sont en train de prendre les hauteurs, les connards. Ce réservoir pourrait exploser. Oh là 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 là. Alors attends, je vais pas sauter déjà. Aïe, allez. Oh, d'où tu me mets un coup de bouclier à moi? Je me ferai pas botter le cul par des tapettes qui brandissent de petits morceaux de métal. Contemple la force immense de la forêt. Ouch. Wow, 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 wow. Mince alors, wow. Ils ont réussi à genre faire. Je fais mon travail, c'est tout. Non. Ça, ça va. Non. Je suis tombé comme une merde. Ranime-moi, toi. Ranimez-moi, les gars. T'étais mort. Je veux avoir une nouvelle vie. Je suis fort. Dégueu. Non. Aïe. Alors attendez. Ah, j'ai pas le temps de faire ce que je veux. Ah si, c'est bon. J'aille me cacher là. Me soigner. Un de tes potes est à terre. Vite, va l'aider. Oh, joueur 1. Ils ont failli t'avoir là. Oh, 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 ouais, ils ont failli m'avoir, normal. Super travail d'équipe. Je suis en train de me faire lyncher. Se faire enculer, les gars. Niquez-moi tous ces enfoirés là de. Oh les boules! Bordel! Ils ont planté un totem! C'est stupide! C'est juste un jeu! Non! Non, c'est plus un jeu maintenant! Va mourir, elle. Ils m'ont eu. Je fais mon travail, c'est tout. Il y en a d'autres près de l'OVNI. On dirait qu'un bête. Méga taille. Les problèmes sont devenus encore plus grands. L'ennemi a joué une carte à la con. Ils ont des géants maintenant. Restez en dehors de leur chemin, ou alors ils vous piétineront. Waouh, ça sent. Ça, ça va vraiment faire mal. Eh hey, tiens. Oh. Oh, faut qu'il crève lui. Joueur 1, tu as beaucoup utilisé la technique du pain évasif. Alors fais attention à ton colon quand même. C'est vrai que j'ai le trou de balle en feu là.
Elle meurt. Maudit Kyle. Je t'aurai, juif. Allez. Putain, ça me coule le cul là. Nombre de... Delph qui a... Oh toi là-haut. Là-haut, comment que je vais vous prendre sévère. Putain, le fils de pute. Ouais, un peu de bouffe. Avec ton bouclier là. Ouais. J'ai réussi quelques beaux tirs, pas vrai? Enculé ces elfes. Tous ces elfes ont dû descendre par la crevasse. Si on la suit, je parie qu'on se retrouvera à la base de Kyle. Et vas-y, frère, de 9 secondes maintenant. Christa, choisis ces améliorations pour toi aujourd'hui. Les ennemis apportaient du totem, 800% de dégâts supplémentaires. Allez, retire les ennemis. Merci. Oh, c'est lourd ça. À bientôt. C'est de la bombe ça. Le P qui attire les ennemis dans la zone. Y'en a Kyle. Prépare-toi. Kyle, le roi des elfes. Ok, on fait le boss. Oh là là. Quelle puissance, Kyle. Viens là, Kyle. Putain, comment je l'atteins? Ce juif. Ah, ta race. Tiens, Kyle. Quelle puissance, Kyle Sploshowski. Tu n'as pas démérité ton titre d'elfe. Attends, je reviens. Des cheesy poufs un peu. Ça va le faire. Nourrissez-vous des intrus. Je reste le collègue. Comment on fait pour reste le collègue? Ça a pété, bien joué. Okay. Oh là là, le Kai.
Ah, les collègues sont en train de se faire lyncher en plus. Venez vous faire soigner. Oh. Quelle puissance, Kyle. Ouais, tiens, prends-toi le paix sacré. La planète est contre toi. Ah. Ouf. Tiens. Ouais, j'ai réussi. Nanana. Tu sais, Kyle, j'ai appris un truc aujourd'hui. T'es comme tes connards. Va te faire foutre, Cartman. Désherbement. On fait de Kyle dans son bosquet sacré. Nouvelle arme débloquée, baguette magique. La matière sombre. Déblocage terminé. Oui, je fais quelques trucs là. Quelques succès. Alors... Tiens. Tu pensais pouvoir faire tout ce que tu voulais, hein? Tu t'es cru tellement malin. Je t'ai battu, Kyle. Et maintenant, tu dois suivre mes règles ici. À coupe à kip. C'est bien ça, les règles, votre honneur? Ce sont effectivement les règles. C'est pas toi qui m'as battu, gros cul. C'est le nouveau. Et c'était qui, les trois autres qui jouaient avec lui? Oh, c'était d'autres nouveaux. Ils pensent tous être le vrai nouveau, mais toi, t'es le seul nouveau qui compte, hein, le nouveau? En vrai, les autres nouveaux sont tous des tocards, hein, Butters? Ouais. Pourquoi t'as attaqué ma putain de base? Moi, attaquer ta base? Ha ah. Tu niques, tu préparais toute ton armée à attaquer notre putain de base? Ouais. C'est Clyde! Ouais. Et tu crois toujours tout ce que te dit Clyde? Oh non, Clyde est complètement débile! Ouais! Bordel, les gars, on se prépare à attaquer quelqu'un d'autre! Quelqu'un qui représente une vraie menace pour notre ville! Qui? Vous trouvez pas ça étrange? Une tempête de neige aussi énorme, en un seul week-end, vous avez déjà vu un truc pareil? Qu'est-ce que tu insinues, Elf? Tout ça, c'est pas naturel! Quelqu'un a forcément dû lancer un sort divers sans fin de niveau 10! Cette magie est interdite depuis que le nouveau a fait foirer la dernière partie en pétant pour remonter le temps! Bah, quelqu'un l'a fait, je le sais! Et qui, selon toi, a lancé ce sort interdit? Celui qui se comporte bizarrement depuis la semaine dernière, Stan. Le marchewalker? Stan agit bizarrement depuis qu'il pense que c'est sa version des règles qui est la meilleure. Je préparais mon armée pour l'attaquer et l'obliger à me parler pour savoir ce qu'il mijotait. Mais le nouveau est venu s'en mêler. Ah bah bien joué, le nouveau! Pour vous, c'est peut-être qu'un jeu, mais cette tempête est pas prête de s'arrêter. Et notre ville est dans le pétrin. Oh, crotte! Alors on n'a pas le choix. Le nouveau? Il faut qu'on retrouve Stan Marchwalker et qu'on découvre ce qui nous cache. Je sens en toi une grande présence de matière sombre. Ouais, ouais, c'était dans l'anal du destin qu'on avait pété pour monter le temps. Pas juste, les elfes devraient pouvoir se régénérer près des arbres. J'en prends note, mais pour l'instant, ce sont les règles. Celle-là, c'est mes préférées. On dit...
dirait que tes pouvoirs mystiques ont augmenté. Il était temps. Va parler à Tolkien. Laisse-le te guider. Ultra légende. Au niveau 5. Il vaut toujours mieux savoir à quoi s'attendre. Depuis que je suis devenu le gardien des règles, il y a plein de gens qui ont commencé à être super sympas avec moi. Contemple les terres de Sauron. Vas-y, on va aller voir. L'arme de Tolkien. Maintenant que tes pouvoirs sont devenus plus puissants, montre-moi ce que tu sais faire. Bouclier. Tu veux ce pouvoir spécifique? Aucun problème, à toi de voir. Je suis pas très doué pour la magie après. Oh, c'est lourd. Vas-y, je garde la baguette. Désolé, Tolkien. Essayez d'équilibrer. Il faut savoir quand se protéger et quand attaquer. Vas-y, je vais tester le bouclier. Envoie les projectiles de vos ennemis. Effrayez-vous un chemin parmi vos ennemis. Chargez. Potem de soins, le P. Rester comme ça pour l'instant dans avec les pouvoirs. Où est-ce que Cartman récupère tous les... Oh cool, t'as trouvé des pièces de platine. Entre dans le bazar, on va t'aider à les dépenser. Kyle, si tu veux changer les règles, ce sera pendant le jugement. À t'intéresser aux pépés, hein, aux pièces de platine. Tu peux gagner des pépés en concluant des pactes infernaux et en franchissant des étapes. Et nous, on s'est arrangé pour que tu puisses dépenser cet argent pour acheter des objets exclusifs. Vas-y, essaye, achète quelque chose. Ok, bah attends, je vais voir. Je sais, il y a beaucoup de choix, peut-être trop. Contre avec le truc là, ça me saoule un petit peu quoi. reviens nous voir quand tu voudras plus contacter ta mère qui t'habille. On sera là. Les petits nouveaux sont vraiment trop craqués. T'as plus qu'à réessayer la prochaine fois. Ouais, foulé à terre. Des soins, c'est toujours une bonne idée. Salut le nouveau. J'ai travaillé dur pour créer ces armes. J'aime fabriquer. Fichier blablabla. Alors attends. De la défense. Bien. Dis-le à tes amis. Sélectionner un onglet de pouvoir. Cette matière sombre doit bien aller quelque part. Il va falloir un paquet de cheesy pouf. Merde. Attends, je suis trompé. Est inégalée. Des soins, c'est toujours une bonne idée. T'as qu'à les écraser, c'est cool. Super pointu ou juste légèrement pointu? Il va falloir un paquet de cheesy pouf. Voilà. L'épée, bien sûr, t'es doué pour ça. L'épée, bien sûr, t'es doué. Ok, attends, faut que j'aille voir, en fait, monsieur Anki, en fait. Ah, les pouvoirs là-bas, c'est cela. La matière sombre. Ouais, tu l'aimes, celui-là, pas vrai? Continue à absorber cette matière sombre et tu deviendras plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Tu sens ça? C'est de la bonne. Craqué. Récompense, il te les donne direct, je vois. Bien quand tu veux. Regarde nos marchandises. Autrefois, j'étais un voleur, mais j'ai découvert la lumière du commerce, les petites. Oh les couilles. N'importe quoi. Tu comptes acheter quelque chose? Ah, pas grand chose pour l'instant. Dis, t'as l'intention d'acheter quelque chose ou... Pas de pression. Franchement, par un petit bonnet, tu vois, qui me chauffe. Tu regardes juste la sélection ou quoi? Acheter un... un bonnet de viking. Excellent choix. C'était super stressant. Tu t'es très bien débrouillé, Quick.
Il faut bien présenter pour bien jouer. Reviens quand tu veux. Voilà, nickel. Bon, on va donc arrêter ce premier épisode là-dessus. J'espère qu'il vous aura bien plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Dans la description, vous avez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire, qui est une chaîne automobile que je fais avec mon ami. Les vidéos sont disponibles en 4K et pour faire un petit teasing de ce qu'on a posté actuellement comme vidéo, il y a de la BMW M2, de la Honda S2000, de la Nissan 370Z, de la Porsche 911 GT3 992, ce sont les toutes dernières Porsche. Et plein d'autres choses qui arriveront par la suite, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description si vous aimez l'automobile. Et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, c'est N27. Allez, ciao tout le monde, bye.